Eh bien, let's go, salut YouTube, c'est Scatapoil. Attendez, j'ai le son un peu fort moi dans mon casque. C'est Scatapoil et on se retrouve pour un tout nouveau format. Maniac Monday, Maniac comme Maniac Shooter. Pour ceux qui connaissent, c'est les shoot 'em up, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de boulettes à l'écran, il faut les esquiver. Et donc on va commencer par un jeu sur lequel je suis un petit peu en ce moment, c'est Enter the Gungeon. En français, Entrer dans la cave au vert. Traduction signée Jean-Michel Google Traduction. Et donc. Voilà. Le but dans ce jeu là, c'est en plus d'être un shoot'em up, c'est un roguelike. C'est-à-dire qu'on va refaire encore et encore le même jeu. Mais les donjons sont générés aléatoirement. Donc on va commencer. On choisit. Un petit personnage, ils ont chacun leurs armes et leurs bonus, donc il y a le convict, je sais même plus comment ça se traduit en français. Le repris de justice, voilà la chasseuse, qui a un petit chien, le pilote, qui a un pistolet laser et qui peut crocheter les coffres. Et qui a des promotions, et le marines, qui peut récupérer des informations et qui sait mieux servir des armes. Les autres, on va commencer avec le Marines, c'est parti. Donc en fait, dans ce jeu, les mécaniques de touches, on va avoir une touche pour tirer, une touche, et on entre dans le caveau vert. Suspense. Donc, le but du jeu, comme c'est un jeu qui se fait assez simplement, on va faire des petits runs. La porte se ferme. Donc, vous voyez, c'est un deux stick shooter. Je rentre le stick, je recharge, et je fais des roulades. Les roulades, ça permet d'esquiver les balles, on va le voir tout de suite. Coucou! Et la petite particularité de ce monde, c'est que tout est dans le thème des balles ou des armes, tous les jeux de mots. Donc on va essayer de traduire tout ça. Allez. C'est des balles qui me tirent dessus avec un Uzi. Voilà, hop, on récupère de l'argent. Un téléporteur en forme de barillet. On dirait un immense clip pour la NRA ce jeu. Et donc voilà, il y a une cartouche, hop, j'évite les balles. Et aussi, surtout, on peut flipper les tables. Comme dans les Western Spaghetti. Pour faire ça. Donc vous voyez qu'on a la carte, hop. En fait, je peux me téléporter n'importe quand. Sur les téléporteurs, ça permet de naviguer plus vite. Ah! Qu'est-ce qu'il mène? Hop! Ouais, les fantômes avec des Tommy Gun. Hop, esquive man. Une petite clé en forme de balle. On défonce tout. Vous voyez qu'on a la petite carte en haut à droite. D'ailleurs, est-ce que je peux pointer la carte? Non, parce que la souris, elle va pas dans la fenêtre, en fait. Saleté de souris. Oh putain. Jusque là, c'est facile. Le bouquin qui imprime des lettres. Allez, dégagez les tables. Pah, pah. Flip. Flip the table. Eux, ils sont. Ah putain. Score. Heureusement, les tables ça protège bien. Même si c'est. Voilà, comme vous voyez, pas incassable. En fait, c'est marrant parce que c'est un jeu qui est classé dans la catégorie des shoot'em up, même si pour moi c'est carrément plus un roguelike, de par les skills qu'il met en place. Donc voilà, il y a un coffre, il est fermé, il est marron, j'ai pas envie de le prendre tout de suite. Parce que les clés, c'est une denrée rare.
Ouais, on casse tout. Ah merde, j'ai plus de balles. Attendez, j'en charge. Donnez-moi de la thune. Je suis revenu là. Voyez là, ça va. Hop. Des fois, ça va plus vite de se téléporter. Hop. Vous voyez, même en fait, les cœurs. Là, c'est un demi-cœur. Les cœurs, c'est. Vous les voyez tout en haut à gauche. C'est deux balles qui forment un cœur. Allez, boum. Et je flippe les tables. Alors, il y a aussi des... du décor. Viens par là, toi. Voilà, je te fais tomber le lampadaire dessus. Parce qu'en fait, vous voyez, là, il y a le lampadaire. Et là-haut, il y a un switch. Mais le truc, c'est que si je vais sur le switch, lui, il va venir aussi vers moi. Donc en fait, il faut que j'aille. Mais bon, après je peux aussi tuer comme ça, ça marche quand même. Donc là comme ça, ça a l'air assez simple en fait. Et ça l'est pour l'instant. Mais il faut continuer. Putain, il y a encore un. Hop, on se téléporte là. En fait, en fonction de la couleur du... Donc là, c'est la salle du boss. Je pourrais aller voir le boss si je voulais. Je ne veux pas. On vérifie qu'il y a... Oh là là. Ah bah, j'allais à la boutique. Bon, pour l'instant, ça sort bien. On a fait comme si t'étais surpris. Donc je peux prendre des munitions, je n'en ai pas besoin puisque mon pistolet et la munition est finie. Les blancs, en fait, c'est des... Pareil, j'ai ces petites balles bleues, c'est des balles à blanc qui font disparaître toutes les balles à l'écran. Donc c'est bien quand on est un petit peu... overwhelmed par les... non, on va y aller à la zob, allez. On va y aller à la zob. C'est parti. Ah! Voilà. Vous allez voir que tout est à base de jeux de mots. C'est Gatling Ghoul. Avec les petits. Les plumes sous les bras. Aïe! Oh putain, je... Ah, il m'a fait perdre mon casque. C'est empiaffé. Oh putain, vous voyez. Là ça commence à être un petit peu plus délicat de tout esquiver le bal. Ah, esquive man. Ah, aïe. Pas esquive man du tout. Aïe. Ah, je joue extrêmement mal. On va peut-être même pas passer le premier niveau. Esquive la balle. Hop. Ah. Hop, 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 hop. Champion de l'esquive. Ah. Ah putain. Lâche-moi. Hop. Moi j'ai dedans. Hop, heureusement il y a les murs quand même. Je peux pas tester. Ah! Si, il peut tester. Ah! Et voilà! Boum! Voilà. Heureusement, une fuite de la vie. De la mot, je n'en ai pas besoin.
Et ça, c'est des crédits bizarres qui permettent de déposer des armes dans le donjon en plus. Parce qu'on n'a pas encore trouvé d'armes. Et je... Des choses très importantes, j'allais prendre la vie. Parce que ma vie elle va pas être... Ah bah voilà, il y a une nouvelle arme. Et un nouveau papier. Thanks for the ammo, ja. Ah oui, d'accord. Et donc qu'est-ce que ça fait cette arme? Oh, ça ricoche. Oh, ça va être rigolo. Donc voilà, en fait les armes qu'on va trouver dans le donjon, c'est totalement du pifomètre. Chargement dans le barillet, c'est drôle. Ah ah. Humour, il y a un thème commun quand même. Ouais, ça part dans tous les sens, ça c'est... Coucou, c'est moi. Mais par contre, donc vous voyez que les autres armes, j'ai pas munitions illimitées. D'ailleurs, ces trucs-là, c'est assez affreux. Comment je fais pour... Voilà, c'est ça. Allez, et... Je révisais mes commandes. Vous m'excusez. Allez, les snipers. Et aussi ricoche. Oh putain. Jusqu'ici, tout va bien. Voilà, de la munition. Aïe! Il a fait mal. Oh putain, ça c'est... Ah, ils sont super relous ceux-là. Ah, une clé de cellule. Alors ça c'est... C'est cool, en plus on fait une run où il se passe plein de trucs. Enfin si je meurs pas. Ça veut dire qu'il y a un endroit qui est spécial ici. Ah, en plus un coffre vert, c'est presque aussi bien que bleu, donc je l'ouvre. C'est comment? C'est ça. Et donc j'ai... Ouais... En gros, ça, ce petit truc là qui flotte, ça devrait bloquer les balles qui passent dans sa trajectoire. Donc c'est toujours ça de prix. Et donc la clé de cellule, en fait, ça veut dire qu'il y a un personnage spécial qui va apparaître. Puisque en fait, on fait les mêmes runs à chaque fois, mais on va débloquer des armes en plus, des bonus en plus, des choses à avoir. Ça en plus... d'acquérir de l'expérience. Oh putain. Esquiman. Esquiman. Voilà, à tout moment je peux repasser. Je vais repasser mon arme. Oh, bah, enfin, petit jeu en plus. Ouais, joue à ton jeu. Putain, 30 ça coûte cher. Alors qu'est-ce que c'est ? Ah, y voilà, faut. Merde. Comment je fais pour atteindre les autres là-bas ? On m'explique. Eh, pas mal ! Ouais ! Un lance-croquette. Là, on va s'amuser. Qu'est-ce que c'est ça? Fils de Remain, leave. Oh putain! Je
Putain, c'est dangereux là. Heureusement que j'ai mon lance-croquette. Alors l'autre qui fait ses formes géométriques là. Plus ce truc de feu. Putain, y'a du moins. Ah, j'ai plus de vie, je vais mourir. Alors que je m'en sortais si bien. C'est pas grave, j'utilise mon deuxième blanc. Non! Hop là. Yes. Sauf qu'il va encore me foncer dessus. Oh putain. Génial, un arc, ça ne sert à rien. Je préfère largement cette arme. Voilà, les trous. Faut perdre de la vie aux ennemis aussi. Non, 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 oh putain. Putain, j'ai plus de balles. Faut pas que je me loupe dans mes sauts. Attendez, est-ce qu'il y a un... Ouais. Il y a un... Un vendeur qui pourrait me vendre peut-être de la vie. Ah. Allez, un cœur et demi. Il y avait un mec 10 à 54, mais c'est pas grave. Je préfère survivre qu'avoir une meilleure arme. Oh, bonsoir, Dédélus 37. Je ne t'avais point vu. Alors, où c'est qu'on va aller maintenant? C'est quoi c'est? Ça n'existe pas ce genre de lettres. Parce que les livres en fait en général ils font des lettres et après ils nous les balancent à la gueule. Voilà, lui il va faire une lettre qui ne représente rien. Attends, j'ai plus de balles. Mais j'ai des clés. J'ai plus de balles. Oh putain. Et champion, hop. Flip the table. Allez, boum. Voilà, les grenades aussi, faut les faire exploser. Voilà, avant qu'elles nous arrivent sur la gueule. Comme ça, pareil. Il y a encore des gens. En fait, quand il n'y a plus de gens, on le sait, parce que toutes les balles, elles viennent vers nous. Allez, boum, petite flèche. C'est petit part dans le petit car. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, tout empty slot in the muncher, feed the current. Oui. Ouais, allez. Would use another gun. Ah, c'est-à-dire que je peux... Ouais, allez. Et je te donne mon... Ouais, donc en fait j'ai fait deux guns, il va me donner un nouveau... Un nouveau gun. Alors, qu'est-ce qu'il fait de bien celui-là? Ouh. Ça rebondit aussi. Alors. On n'a pas été. Oh putain. J'ai horreur des pièges comme ça. Ouais, un coffre.
Oh, qu'est-ce que c'est que cette... Ah, voilà. J'avais bien. Bon, j'avais une clé de cellule, donc c'est pour ouvrir cette cellule. Avec une madame. Bonjour. Full me, pourquoi? Bah, parce que pour que tu m'aides. Parce que j'aide les gens. Donc normalement, elle devrait apparaître au spawn. Ça, je ne sais pas à quoi ça sert. Il y a pas mal de petites salles spéciales dans le dungeon. Il y a rien là-haut. On va aller par là. Hop. Roulade, roulade. J'ai un gros fusil. Ouh, je tourne. Je fais des roulades. Je fais des roulades au-dessus du vide. Eh, salle du boss, bon bah. Oh putain. C'est Amokonda. Alors j'ai pas trouvé de jeu de mots en français pour Amokonda. Oh putain. Aïe putain, il me fait mal. Changer d'art. Ça lui fait mal le glacier. Tout est dans la... Là la question... Oh putain. C'est marrant là, les tirs ils font des snakes. Oh putain, esquive man. En plus j'ai pas de blanque. Donc c'est à dire que si je suis submergé, comme c'est le cas là, oh putain. T'es un dieu de l'esquive, oh putain. Non, pourquoi il vient vers moi? Ah, casse-toi. Oh putain, je vais mourir. Non mais, viens pas vers moi, sale serpent de merde. Est-ce que j'ai encore des munitions là-dessus? Non, j'ai plus de munitions. Oh yes. Un demi-cœur. Donc de la monnaie pour acheter des armes qu'on va larguer dans le donjon. Peu de vie. Ouais. Fortune Feather. Use for luck. Allez voir. Ok. J'ai de la chance, mais encore. Je crois qu'il y avait un truc encore que j'ai oublié de prendre. Oh putain, c'est quoi ça? Je l'ai, bande de raclure. Ah, c'est que ça gèle quand même vraiment les ennemis là. Par contre, j'ai plus de munitions. Et moi, j'ai dans le poison. Je suis pas très malin, moi. Allez, boum. Bon, par contre, c'est vrai qu'il me faudrait un petit peu de munitions.
Ah mais je suis... J'ai pas mon supply drop. Ouais, ça. Oh merde. Hop, Roland Man. Je veux des munitions. Aïe. Alors là, eux, les mineurs, ils se foutent. Oh putain, en plus il y a un totem. Mais laissez-moi expliquer les ennemis aux gens. Parce que alors, il y a des mineurs qui s'enfoncent dans le sol et qui ressortent en tirant partout. Ah putain, je pensais avoir esquivé. Voilà. Donc il y a ceux qui vont dans les wagons. Non, il y a rien de super. Un coffre. Qu'est-ce que c'est? Ah cool, j'ai un cœur en plus. Oui, bah d'ailleurs, faut que je me téléporte en fait. On va retourner là. Et au final, une run, c'est pas mal. Hein. Alors ça, les barils bleus, je crois que c'est pas de l'eau, je crois que c'est du, c'est de l'huile. Et donc si jamais j'avais une arme de feu, j'aurais pu foutre le feu à la flaque d'huile. Un peu comme ça aussi. Donc voilà, le mineur, il s'est foutu dans le sol, donc là, il est immortel, comme Lara Fabian. Voilà, hop, on fait tomber les rochers avec la dynamite. Et eux, en fait, faut pas passer dans leur traînée. Oh putain. Tiens, gel. Comme ça, hop, tu me frappes. Ah, il est bien parce qu'il a pas mal de munitions celui-là. Argent. On reprend le Crestfaller. Oh putain. Comment vous voulez que j'esquive tout ça, moi? Y'a pas la place. Oh, de la vie. Cool. Hop, on fait très attention à pas tomber dans le trou. Coucou. Bon, et là, il n'y a rien en fait. C'est une grande salle vide. On va retourner la plus proche. Oh putain. Ah ouais, le marchand. Gun Knight Gauntlet 63, c'est trop. Ah c'est vrai que je pourrais prendre de la moi aussi. Mais putain, ça coûte 42 et j'ai 41. Est-ce que j'aurais pas, comme qui dirait, un peu le seum?
Bien sûr que si. Oh putain. Là les snipers, ils m'en veulent. Voilà, celui qu'elle laser vert en fait, il a un tir qui rebondit. Ah mais je pourrais m'acheter des munitions par contre. Et encore des gens. Encore des méchants. Ah là-bas. Ah non, putain, je l'esquive. Qu'est-ce que c'est ça? Ok. Bon, si c'est le boss, j'irai peut-être me chercher des munitions. Voilà, yes. Voilà, et lui au milieu, en fait, je crois qu'il booste les ennemis. Est-ce qu'il n'y a pas du... Ouais, tiens. Allez, meurs. Eux, ils sont affreux parce qu'en fait, ils jettent des bulles. Quand la bulle elle éclate, le tir il part vers nous. Mais genre vite. Comme ça. Ouais. Dégagez. Dégagez. Putain, ils sont imprévisibles ces cons. Ah mais mon cœur de glace, ça fait que quand je me fais toucher en fait, ça fait des explosions, c'est pas mon arme en fait, j'ai l'impression. Oh putain, esquive man. Par contre, j'ai plus beaucoup de vie. J'aimerais bien avoir toute ma vie et mon casque pour le boss. Boss qui va certainement me tuer et me faire absolument regretter tout ça. Un coffre. Yes. Qu'est-ce que c'est ça? Blooper. Closure bloop. Closure bloop. Qu'est-ce que c'est? Ça a l'air sympa ça. Ah oui. Ça a pas beaucoup de portée. Mais c'est sympa. Voilà. Eux ils tirent un peu plus vite que les autres. C'est vrai que ça a vraiment pas beaucoup de portée. Mais ça fait le taf. Du coup sur un terrain comme ça, c'est pas du tout pratique. Qui fait que je charge. C'est pas mal aussi d'ailleurs ce jeu, il y a quelques petites références à d'autres jeux un peu plus gros comme Gears of War, où on peut trouver un objet, c'est un engrenage qui nous permet de recharger comme Gears of War. D'ailleurs en rechargeant d'abord un coup, puis... Oh, oh non, je vais pas acheter les... Si, j'ai été obligé. Hein. Ah, mais l'amo. Non, mais j'ai des bonnes armes. Des bonnes armes. On va essayer de pas faire le. Sauf que j'ai plus de trucs dans mon. Ah, j'ai plus de munitions là-dedans non plus. Oh là là. Bon, Blooper, je compte sur toi. Oh, c'est lui en plus. Oh là là. C'est Cannonball Rogue. Sachant que je n'ai jamais réussi à le tuer. Parce que là au début il est... Aïe. Il est à peu près simple. Ah non. Hop. Alors qu'il suffit de rouler en fait hein. Après, il y a d'autres phases et tout, c'est chiant. Voilà. Comme cette phase-là. Oh putain.
Oh putain. Il y en a partout. Où es-tu? Ah merde, je suis trop loin. Hop, Roulan Man. Ah mais mon blooper il va pas assez loin. Oh, il va refaire son truc encore de flingage. Aïe! Putain il m'a touché. Allez, on y croit là, on est bien parti hein. Non. Oh putain, bâtard. Ah je peux pas le toucher forcément. Ah non. Yes. Oh putain. Alors, munitions, on va pas faire. Ouais, pour lui. Hop. Une armure, deux armures. Une grenade launcher. Du coup, j'ai bien fait de prendre les. Le cœur. Hein. Donc, c'est quoi? Ah c'est le grenade de char. Ah ça va être bien ça. Ça va m'aider. Niveau 4, jamais été aussi loin. Jamais été aussi loin de ma vie. Donc je vais bientôt mourir en fait. J'espère juste pouvoir trouver de la vie. Ah oh oui c'est vrai, j'ai mon. J'ai pas fait gaffe que j'avais mon. J'ai plus de munitions dans mon blooper non plus. Hop. Petite roulade. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah c'est des grenades dans la glace. Je comprends pas. Ah si je peux tirer à l'arrière quand même. Eh ouais. Merde. Faut que je me pète tout seul. Voilà. Fais-moi le malin. Hein. Oh putain. Non, toi, je veux pas savoir ce que tu fais. Oh, qu'est-ce qu'il. Ah, l'autre, il invoque des. Non, tu n'invoqueras personne. On va éviter de claquer nos munitions. Ah j'ai plus qu'une balle dans mon blooper. Oh putain. Ouf. Alors c'est bien beau les armures mais moi je veux de la vie en fait. Putain il y a plein de monde là. Arrêtez s'il vous plaît. Oh non. Oh là là, je vais mourir. Ah, on peut flipper les cercueils. C'est rigolo. On dirait un super Meat Boy là. Et par contre, les munitions dans ce truc là, ça part à une vitesse. Ah, j'ai pas de clé. Saloperie.
Ah, vous faites chier avec vos mitrailleuses là. Tiens, toi. Putain, ça bouffe trop des munitions. Faut mourir. Voilà, hop. Si tu pouvais mourir aussi, s'il te plaît. Espèce de tête géante. Merci. Oh putain. Ah, y a lui aussi là. Mais meurs juste. Oh non, il y en a encore plein. Mais par qui ils sont boostés là? Voilà, allez, empoisonnez-vous. Ah, par lui là. Oh, fais-moi les malins! Ah, oh, putain, j'ai plus qu'une. Oh là là. Oh, ça sent la fin. Oh, putain. Oh, ça sent le sapin.